Salut, ici Maïka Desnoyers pour la capsule HollywoodPQ.com. Un mystérieux inconnu a fait savoir par le biais de son avocat qu'il aimerait bien acheter les droits de la sextape de Kim Kardashian et de Ray J. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Simplement la faire disparaître de la surface de la Terre. Présentement, la vidéo appartient à Vivid Entertainment et il serait prêt à la donner pour 30 millions de dollars. Me semble que ça fait un peu cher, 30 millions de dollars pour faire disparaître une vidéo. C'est pendant le lancement de la programmation de VTV que Maï Paiement nous a annoncé que sa petite Eva allait naître en janvier. Pour l'instant, vous pourrez la voir à la barre de l'émission X à saute dès cet automne. On en parle depuis des semaines, et bien c'est fait, Marie-Mé et Fred Saint-Gelais se sont finalement mariés à Hawaï. Le couple a publié sur YouTube une vidéo d'eux interprétant leur vœu de mariage sur la composition « For the First Time ». Il y a bientôt un an, Jessica Simpson nous annonçait qu'elle allait se marier avec le joueur de la NFL, Eric Johnson. Et bien, un peu plus d'un an après cette annonce, la date n'a toujours pas été choisie. La cause, Jessica Simpson se trouve trop grosse pour se marier. Et elle serait même prête à avoir recours à la chirurgie esthétique. Ce n'est pas parce qu'on est riche et célèbre que nos parents exercent moins de contrôle sur notre vie. Parlez-en à la copine de Shia LaBeouf qui commence à trouver que la mère de celui-ci est un peu trop présente dans ses finances. L'acteur vedette des films Transformers hésiterait même à s'acheter l'auto de ses rêves de peur de se faire réprimander. C'est déjà tout pour les potins de cette semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Bounce.